Hello guys, my name is Feli Chidibe. I'm here to present to you my new show, Adding Value. It's about adding something else to what you have already in order to increase. Follow me here on DM5 TV every Wednesday at 7 p.m. Here are my details. Please get in touch with me if you want to join me on this show or for anything else. Remember, you too can. Of course, you can add value. Hello, good evening. Thank you so much for welcoming me in your home, in your houses. Thank you so much. I appreciate you, all of you, for watching me, all of you. Before I can start, I want to say thank you so much because you were in the number of thousands last week following us here at Adding Value Show. My name is Feli Chidibe, and I'm here to present to you our show, your show, Adding Value. And tonight, our theme is The Next Generation, A Better Tomorrow. The Next Generation, A Better Tomorrow. Now, for tonight, we're going to talk a little bit about some of the stuff that we talked last week, because last week, we had difficulty with signal. So some of the stuff that we were supposed to say, we didn't say, and we will talk about these things today. So thank you ever so much for following all the way from South Africa, all the way from Ghana, everywhere around the world for following. Et ma chérie, Angèle et Rose Anguiesi, merci beaucoup pour nous suivre ici. Et si tu parles français, if you speak French, please wait at the end, we'll speak in French. Si tu parles français, s'il vous plaît, restez là. À la fin, nous allons parler en français. Alors, when we talk about the next generation, I did look at word like breed, children, descended, but today we're going to concentrate on children. I will be talking a little bit about what I said last week. Last week it was, last Wednesday it was 26th of February. Before I started the show, I did celebrate my children, because in my household, children are celebrated on every 26th of February. So I encourage people to actually find ways of celebrating their children, because we want a better tomorrow. Now, we also said that you need to have a mission statement. Some of you guys out there, you do have a mission statement for your business, especially you men that run business. You do have a mission statement for your business, but what you do not have the same statement for a similar statement for your family. Now, I also encourage people to go and call their children, call your child, and ask your child, who are you? You'll be surprised. Your child will probably tell you, I am Feli, and that's it. Because your child, you didn't put enough information in that child as to who the child was. So we want to encourage you from this side, from Adding Value Show, that you need to write a mission statement to tell your child, who you are. A mission statement is something that describes where you are. Like we say, mission statement is a formal summary of the aim and the value of an individual and or an organization. So you need to have one for your family, so you know. And that by having one, you have your children have a form of identity. And this actually will help them survive out there. And if they find themselves in difficulty, they will know who they are. And they will deal with a situation in their life
based on who they are, they will know how to deal with difficulty. And before writing a mission statement for your family, you first of all need to have one for yourself. First of all, you need to know who you are, what governs you, where do you want to go, what do you want to achieve. Survey Cordia, thank you so much for following all the way from Ghana, and all of you guys are following from Ghana. Evelyn Boateng, all of you, we say thank you to you. Thank you so much for being faithful and following us here and adding value. Now, like we were saying, now you need to know, first of all, who you are. You need to write a mission statement, a personal mission statement for yourself. If you are a father or a mother, I know most of you do not have one. Please, please have one. Have one and print it and stick one in the kitchen, one in the bathroom, in the living room, so that when your kid passes, she or he can see who she is. So she can have this in her brain and to know actually this is who we are. These are the values that govern us, you know. So after writing a mission statement for yourself, then only then you'll be able to write one for your family. We said that you need after you need to be resilient, you know. You need to be very, very resilient. We say that successful people know how to adapt to adversity of life. Now, you need to have ability to return to your original shape after being stretched through situation of life. Now, I also said last week that don't really look at your child as somebody who is just a failure. No. Don't, because some of you parents, you go like, this is my child, this lady, that she know what she's talking about. My child is a Lazarus case. But I want you to know that your child is not necessarily a Lazarus case. Whatever situation, trouble that you see there is not necessarily a Lazarus situation. It may probably just be a stone situation requiring you to move the stone. At this point, survey commented last time to say, most parents, they are just there to look at the fault of their children. They are there, they're not there sitting to look at what good, what is it that this child has done today that is so wonderful that I can praise. And we want to encourage you to have a time where you sit and look at what this child has done well, in order for you to actually encourage the child. Now, if you have written all this mission statement for your family, this will help your children govern themselves and help them in situations of life. Yes, and then I want you to know that this child of yours is not a Lazarus case, is not a dead, rotten situation. No. Even if you see so much bad thing, I want you today to look at this child as something that is so precious. Now today, at this part of the show, I'll go very slowly. I want to take you to what I call a mental journey. Now, one of the points that I brought here with me is a child purity. I want you to think and look at your child as a pure human being. Now, I'll take you back to the day this child was born. Now, it doesn't matter if your child is 20 or 20, 22 or 18, running the street or stealing here and this or whatever. No, I want to take you back to a purity level, to that day that child was born. Please come back with me and let's go back in that labor womb. Let's go back that day that the child was delivered. Can you see a pure little human being? Now, I have a question. Have you polluted that child by lack of care? Now, that when that child is stealing on the street, are you also in that child stealing alongside with that child?
in the mind of the child because you have actually contributed in the pollution of this child. Now, at this point, it might hurt, but please stay tuned. If it's hurting you, what I'm saying, it means you are on the right path. Maybe you have polluted the child by your lack of care. You are absent, like we said last time, some women, they are in the house, but they are not also in the house, but they are absent because most ladies, they are actually on their phone, talking to their friends and actually abandoning their children, although they are in the house, because some lady will say, no, what are you talking about? This man has abandoned me with the kid. But have you abandoned the child? What are you saying to that child? What is your language? Do you sometimes affirm this child? You need to affirm the child now and then. Call the child and say to the child, you know what? I believe in you. I believe you can do this. Even when the child doesn't actually think that they can do it, you have a belief that is much more bigger than where the child think he can or she can go. So, like I said, if we get back to that labor ward, the day that child was born, you see that purity in that baby. Now look at that 20-year-old or 18-year-old girl who just got pregnant and with a guy anyhow. I still want you to look in that child. I want to connect you with the purity of that child. I still want to connect you with the purity in that child. And I want you and I to go and clean the pollution that you put in that child. You and I today will go and clean the pollution that you put in the child. You neglect the child, you abandon the child, you're in the house, but you're so much more on your TV or your phone or whatever, or on the phone with your friend, and you are the dad who just left the home, household, or went. But today, I want you and I to go and clean the pollution. How? We will start by affirming that child, by saying that, okay, that is bad, but by also looking at what is good in that child and actually talking to that child about the good that they did and also encouraging the child to do better. And we can see, we can clean the pollution that you put in that child, and we can help that child succeed. Now, if you were a young man or a young girl who's planning maybe in future to have children, and I want you to still stay tuned here. Don't say that, oh, you know what, this show doesn't concern me. I don't have a child. I'm not married yet. But I want you to be listening to me carefully here so that you too can plan to have a better future for your children. So you can plan also to plan today to not pollute your children. Remember, the day that child will be born, that child, I'm talking to those people who are yet to have children. The day that your child will be born, that your child will be pure. And I want you to maintain that purity. You young men that is looking at me, I want you to plan today to maintain that purity by affirming the child, by planning to the right. In fact, please, if you're a young man, you're watching, go and get a pen. Write down how you planning to maintain the purity of that child. Say that one day I sat and I learned it from Adding Value Show, and there was this lady, Felici Dibi, talking about how to maintain my child purity. And even if the child is not doing well, and now I'm talking also to those people who have children already,
If the child is not doing well, you can still get back, get the child back to that purity and maintain that child, sustain that child, add value to that child so the child can feel, you know what, mommy believes in me. Since she believes in me this much, I can only give her the best. Yes, and if you're a young lady, I want you to learn that. Know that you can be in the house, but also abandon your child if you are not present in the life of your child. So that child who is out there causing havoc, if you were the person who contributed in the pollution, in the pollution of that child, I want you to know, when the child is causing havoc out there, you, the mom, the dad, you too are causing the havoc, because you are in that child, in what you put in the child that caused the pollution in the child. Because as far as we are concerned here and adding value, we believe that your child is a pure human being, and we can sustain the purity. We can maintain that purity. We're going to help you to maintain the purity by praising that child. Now, thank you so much for following us here. We're going to talk to French people, because last Wednesday, we had signal issue. We were not able to inform the French community, everybody that is watching from Paris, Côte d'Ivoire, Congo, everywhere. We want to inform them. But remember today, for you to have a better tomorrow for your children, you must, the main point is to maintain the purity. And to maintain the purity, write a mission statement if you do not have one. And know, if the child is causing havoc, ask yourself some question if you are not also to blame. Stop playing the blame game. Stop saying, this child is not listening, I don't understand, whatever. What did you do to the child? So today, we're going to repair that. So we're going to clean the pollution that we put in our children. So we're gonna go to a French community. We're gonna go quickly for a break now, and then we will go to speak to the French community. They are also waiting. We want to serve the French nations as well. So thank you so much for following us here in Adding Value. Thank you so much. We are here every Wednesday at 7 p.m. and we're here. Our mission here is to stop you living an average life. So your children are supposed to be higher up here, and if you left them behind, we're gonna come and help you raise them up. Like today, we believe that you are cleaning the pollution, but you start today, start affirming the child. Look at the child, look at the good in the child, and concentrate on those, and this child is a success. And thank you so much. We're gonna go for a break now, and then we'll go back to a French. Thank you so much for being there, for all of you following us. Nalizi bana bete samzame ngamoko na fandiko zela mbula tukumisato na. Hello guys, my name is Feli Chidibi. I'm here to present to you my new show, Adding Value. Elikia nanga isena yo yako sunga kanga yo sunga nga yo. It's about adding something else to what you have already in order to increase. Follow me here on DM5 TV every Wednesday at 7 p.m. Please get in touch with me if you want to join me on this show or for anything else. Remember, you too can. Of course you can add value
to your life and in all that you do. Nalizi bana bete sanzame ngamoko na fandi kozela mbula tukumisa tona. Hello guys, my name is Felici Dibi. I'm here to present to you my new show, Adding Value. Yawe elikia nangai sena yo yako sunga kanga yo sunga nga yo. It's about adding something else to what you have already. Bonsoir les amis, bonsoir. Bienvenue à notre show Ajouter la valeur. Nous voulons dire merci à Papa Oldi qui nous suit à partir de l'Afrique du Sud et Baby Mwika qui nous suit à partir de l'Afrique du Sud et Maman Angèle Dibata, nous vous saluons ici à partir de notre show ici Ajouter la valeur. Merci beaucoup à Maman Lucie Soké et Mejembouyi, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de la génération suivante pour un futur meilleur. La fois passée, on n'avait pas beaucoup eu le temps de pouvoir parler en français parce qu'on avait un peu beaucoup de problèmes de signal. Donc, on parlait ici des multigénérationnels succès. Donc, on avait dit que dans votre famille, vous devez quand même avoir, dans votre famille, écrit quand même les règles de votre famille, que la famille sache, que vos enfants savent qui ils sont. Pour que vos enfants savent qui ils sont, vous devrez quand même écrire un peu le mot, le règle. Voilà notre famille, voilà qui nous sommes. Nous sommes ceci et ceci. Et nous, dans notre famille, nous faisons ceci. Mais si tu n'as pas encore toi-même écrit tes règles, toi-même, toi papa, tu n'as pas encore écrit tes règles, toi maman, tu n'as pas encore écrit tes règles, comment alors les enfants vont savoir, eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Tu vois? Donc, toi, maman, tu dois savoir que moi, je vais une génération suivante pour un futur meilleur. Ça, là, ce sont mes enfants. Tu dois savoir écrire quelque chose pour tes enfants, pour que tes enfants sachent. Ici, dans notre maison, par exemple, nous sommes des chrétiens. Nous vivons comme ça. Nous ne volons, nous n'allons pas dans la rue pour aller voler. Il y a des choses que nous faisons, il y a des choses que nous ne faisons pas. Mais tu dois écrire cela pour que tes enfants sachent qui ils sont. Donc, et pour que tu puisses écrire cela, tu dois écrire tes règles personnelles d'abord. Toi, écris des règles personnelles à toi, pour que toi aussi tu puisses savoir qui est-ce que tu es. Tu dois savoir qui est-ce que tu es d'abord. Si tu te connais toi-même, c'est alors que tu pourras maintenant décrire et dessiner le règle, écrire de règles pour la famille, pour que tes enfants puissent savoir qui est-ce qu'ils sont. Pour que quand tes enfants savent qui ils sont, quand ils sont dans la rue et qu'il y a un problème, tes enfants sauront comment se défendre basé sur ces règles-là qu'ils ont appris à la maison. Donc, nous sommes ici pour vous encourager d'aller en avant et créer ces règles-là. Bon, comme à moi, au commis, au lobby, qui sont à l'ibot, en abisso, tout en bolé la canalo lengue oyo. Pour être banana yo bakoubako yeba. Alors, il y a aussi des parents qui disent que, mais cette dame-là, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Est-ce qu'elle sait au moins mes problèmes à moi? Moi, mes problèmes, c'est les cas de mes enfants. C'est les enfants ici, c'est les cas de Lazare. C'est pourri. Mais non, ma chérie. Parce que tes enfants, là, les cas, ça peut être seulement le cas d'une pierre que notre Seigneur Jésus avait dit, il faut rouler la pierre. Donc, ton problème n'est pas un problème spécial. Le problème de tes enfants, là, ce n'est pas un problème spécial. Il y a eu des erreurs que toi, maman, au cometa qui. Il y a eu des erreurs que tu as commises. Alors, ces erreurs-là que tu as commises, aujourd'hui, nous sommes venus pour t'aider à pouvoir nettoyer. Philomène Chims, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous suivre ici. Et Princesse de l'Éternel. Hello, Princesse de l'Éternel. Merci pour votre soutien. Wechitangwe Kadi Kapamba, merci, bonsoir.
Alors, la fois passée, j'avais demandé aux gens, j'avais demandé aux parents d'aller appeler un peu vos enfants. Aujourd'hui, là, que vous êtes en train de me suivre, appelez un peu vos enfants. Demande un peu à ta fille, qui est-ce que tu es? Tu verras que ta fille te répondra que moi là, papa, tu veux savoir qui je suis? Mais moi, je suis Félix Chidibi, c'est tout. Mais le qualité, là, parce que tu n'as pas écrit, tu n'as pas donné cela à ton enfant, l'enfant ne sait pas qui il est. Voilà. Donc, il faut peut-être dire, par exemple, tu peux dire à ton enfant, nous, ici, dans nos familles, toi, comme tu es là, tu es un champion. Il n'y a pas de situation plus grande que toi parce que le Seigneur Jésus habite toi. Tu vois? Donc, si tu commences à faire des choses pareilles, les enfants sauront au moins qui est-ce qu'ils sont. Soko bandi ko kumisa mwana, mwana ko yeba, ye azali nani. Soko bengi mwana, to pesa ki exemple to bike, benga nan mwana na yo tu na ye, mama yo za, biso to za ba nani, mwana ko yeba soka ke, ah mama, ngayi nazali Félix Chidibi. Oh, c'est parce que yo koma kite, ba règle nan ya vi, et loko ni no yo bino, identité na bino. Vous voyez, quand tu écris des règles de votre famille, ça va décrire, ça va dessiner, ça va former une identité pour tes enfants. Tes enfants sauront au moins qui est-ce qu'ils sont et ils sauront quoi faire. Alors nous voulons saluer notre pasteur qui est en train de nous suivre à partir de l'Afrique du Sud, le pasteur Arma Kayembe. Merci beaucoup de nous suivre. Donc, il faut écrire de règles comme ça. Il ne faut jamais regarder à ton enfant et dire que moi, Nanga, c'est Sili, Apolline, Eza, Diaba, Kamo, Lazare, Félix, Tikanae, Koloba. Non. Parce qu'il y a moyen de pousser la pierre. Ton enfant, là, ce n'est pas encore fini avec ton enfant. Nous allons t'aider pour que Okokakozala, la future meilleure, pour Nabananayo. Alors, tu vas m'aider à faire cet exercice-là. Tu vas appeler ta fille. Tu vas lui demander qui est-ce que nous sommes. Qui es-tu? Si ta fille ne te donne pas de valeur qui constitue votre famille, tu vas alors apprendre à ta fille de valeurs appartenant à votre famille. Papa Oldi Dibata, merci beaucoup. Papa Oldi Dibata, merci beaucoup à partir de l'Afrique du Sud. Cape Town, merci baby. Véronique Mouika, merci beaucoup. Et maman Véronique Mouika qui est en train de nous suivre aussi. Et mon père à moi, papa Louis Chimanga, merci beaucoup. Alors, c'est comme ça que tu vas maintenant inculquer à ta fille le valeur de votre famille. C'est ce qui va aider ta fille. Quand ta fille rencontre des situations difficiles dans la rue, elle saura au moins s'en sortir basée sur ces valeurs de votre famille. Donc, il faut écrire des valeurs de votre famille. Il faut le mettre quelque part au sein. Allons à la cuisine, partout, pour que vos enfants sachent qui est-ce qu'ils sont. Alors, pour un meilleur futur, nous avons parlé, je vais vous amener je vais faire un voyage avec vous au jour même que vous avez accouché votre fille. Viens avec moi, nous allons rentrer ce jour-là. Ne regarde pas cette fille-là qui vient d'être engrossée. Non. Bon, viens avec moi, nous allons rentrer 20 ans passés. Ces jours-là,
à la maternité quand tu as couché la fille. Et toi, papa, viens avec moi aussi parce que ce jour-là, tu étais là, surtout si la fille était née ici en Europe. Tu étais là à la maternité. Je veux que tu puisses voir la pureté de ce bébé-là. Regarde, je vais aller tout doucement ici parce que je veux que tu puisses voir la pureté de ce bébé-là, ce jour-là que ce bébé-là était né. Alors, moi, il y a une question que je vais te demander, papa et maman. Est-ce que tu as ajouté la pollution dans la fille, dans tes enfants? Comment est-ce que tu vas te dire, mais comment est-ce qu'elle dit ça? Est-ce que moi, j'ai ajouté la pollution dans mes enfants? Mais oui, parce que tu as négligé tes enfants. Tu n'étais pas là. Et il y a d'autres femmes qui peuvent dire... Oh, mon papa me dit merci beaucoup. Je vais dire un peu. Je vais lire là. Mon papa vient d'écrire. Mon papa, lui, Chimanga, vient de dire Koloye Soazalanayo, Pia Pambolayo. Alors, merci beaucoup, papa Zamba Pambolayo Peming. Ça, c'est mon père. Alors, merci, papa, pour votre soutien. Vraiment, et ça, c'est un gomme qui a la famille à Boyewana, papa, ça soutenir. Et mon grand frère aussi, Lucien Chibangu, qui est en train de nous suivre. Alors, je te salue, Lucien Chibangu. Merci beaucoup. Alors, je vais rentrer, viens avec moi, ces jours-là, on va rentrer. Nous allons faire un voyage mental, aller jusqu'à la maternité, c'est pour voir ce bébé-là qui était né, ces jours-là. Et nous allons voir la pureté de ce bébé. Tu connais, non? Cet enfant qui était sorti trop pur dans ses pensées, dans tout est trop beau. Toi, donc, je vais demander une question. Est-ce que tu as ajouté la pollution dans ce bébé-là? Je veux que tu puisses voir ce petit garçon de 20 ans comme ce bébé-là, ces jours-là à la maternité. Et maintenant, vois maintenant qu'est-ce que toi tu as fait par manque de soutien, par manque de support nécessaire que l'enfant avait besoin, que tu as ajouté la pollution dans la vie des enfants. Alors aujourd'hui, dans cette émission, Ajouter la valeur, avec moi, votre humble servante Félicie Dibi, nous allons t'aider à pouvoir nettoyer la pollution que tu avais mis dans cet enfant. Maintenant, tu peux dire que mon enfant, mais Félix, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Mon enfant est allé est voler ce jour-là, on a attrapé mon enfant en train de voler. Mais moi, je veux savoir si maintenant, cet enfant est en train de voler comme ça. Il y a toi dans cet enfant-là. Donc, toi aussi, quelque part, tu y es dehors là en train de voler avec l'enfant. Mais toi, tu es seulement dans l'enfant. Parce que c'est tout ce que tu avais fait, par la négligence que tu avais fait. Par le fait que tu n'avais pas réellement géré ta maison, la façon dont un papa responsable ou une maman responsable pouvait réellement éduquer, élever ses enfants. Écoute, ce n'est pas encore trop tard. Nous allons nettoyer la pollution et nous allons ramener la pureté dans cet enfant. Donc, comment est-ce qu'on va le faire? Nous allons commencer à affirmer nos enfants. Que Dieu te bénisse, Philomène Timms. Nous allons commencer à affirmer les enfants. Et Gisèle Thiébois, que Dieu te bénisse aussi, Gisèle Thiébois, que Dieu te bénisse. Donc, nous allons commencer à affirmer des enfants. Quand tu regardes à ton enfant, il faut regarder l'enfant et lui dire, « Maman, moi je crois en toi plus que toi-même. » Même quand l'enfant trouve des difficultés, dans ces difficultés-là, dis à l'enfant que « Maman, je crois en toi. Je crois que tu peux le faire. » Et l'enfant va commencer à se sentir vraiment remonté de morale. Et l'enfant finira par contre de pouvoir faire le mieux de soi-même. Parce que toi, tout ce que tu fais chaque jour, c'est affirmer. Élever l'enfant
et tu vas commencer à le faire chaque fois. À chaque fois que vous avez mis ça, moi, parce qu'elle va finalement commencer à croire qu'elle est cela. Même si l'enfant était gâché déjà. Ne regarde pas beaucoup à cela parce que dans beaucoup de situations, si nous regardons très bien dans le procédure que tu as commencé à élever ces enfants, il y a eu des erreurs quelque part. Alors ces erreurs-là que toi, maman, avais commises, que toi, papa, avais commises. Donc, comme papa, tu avais commis ces erreurs-là, aujourd'hui, on va nettoyer la pollution que toi, papa, avais mis dans cet enfant. Donc cet enfant, et nous allons ramener la pureté de l'enfant. C'est comme cela que nous allons garantir un meilleur demain pour nos enfants. Merci beaucoup pour la Koulandangaïde. Awa, na émission na biso, ya adding value. Merci beaucoup pour la Koulandangaïde. Kem Love, bonsoir. Kem Love, bonsoir. KM Love, bonsoir, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, KM Love, merci pour nous soutenir ici et ajouter la valeur. KM